Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un crumble aux pommes. Pour cette recette, il vous faudra 6 pommes golden, de la cassonade, du beurre, un sachet de sucre vanillé et de la farine. Après avoir évidé et pelé les pommes, je les coupe en morceaux comme ceci. Ensuite, j'ouvre mon sachet de sucre vanillé que je vais disposer sur mes pommes et mettre de côté. Ensuite, nous allons préparer pour mettre dessus 150 g de farine, 150 g de cassonade et 125 g de beurre que vous aurez au préalablement sorti une demi-heure avant afin qu'il soit mou. Nous allons couper des petits morceaux et ainsi pouvoir travailler, c'est pour cela que j'ai mis des gants, ma pâte à la main afin d'obtenir une pâte granuleuse. Comme ceci, nous malaxons jusqu'à obtenir une pâte granuleuse. Ma préparation est bien granuleuse. Je vais pouvoir la disposer sur mes pommes de cette façon afin de toutes les recouvrir. Pendant ce temps, j'ai mis mon four à préchauffer thermostat 7 où nous allons pouvoir cuire ce délicieux crumble pendant une demi-heure. Vous mettez bien à cuire 30 minutes thermostat 7. Après 30 minutes de cuisson, votre crumble est cuit. Vous pourrez le déguster avec une glace vanille ou de la chantilly ou pour les plus gourmands avec les deux. Bon appétit !